Le pape François a délivré un message de paix et de pardon à plus d'un million de personnes réunies pour une messe spéciale à Kinshasa. Il effectue une visite de 6 jours au total en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, deux pays d'Afrique les plus profondément ravagés par la guerre. Cristo, questo desidera, ungerci con il suo perdono per darci la pace e il coraggio di perdonare a nostra volta, il coraggio di compiere una grande amnistia del cuore. Quanto bene ci fa ripulire il cuore dalla rabbia, dai rimorsi, da ogni rancore e livore. La visite du pape vise à recentrer l'attention du monde sur une région où les conflits internes font rage depuis des années, impliquant de multiples groupes armés. Elle reflète également la popularité et l'influence croissante de l'Église catholique romaine dans cette région comme dans d'autres parties de l'Afrique.